Laurent Wauquiez, est-ce que vous joignez votre voix à Christian Jacob et Pierre Lelouch qui ont violemment attaqué Dominique Strauss-Kahn ces derniers jours? Est-ce que pour vous, ils représentent la gauche ultra caviar? Honnêtement, j'aime pas les attaques qui sont les attaques personnelles. Ce qui m'intéresse, c'est le débat d'idées. Et là-dessus, ce qui me gêne sur Strauss-Kahn, c'est que je me demande qui est le vrai Strauss-Kahn dans ses idées. Le vrai Strauss-Kahn, c'est celui qui est à Washington, qui soutient des programmes du FMI qui sont très durs et très libéraux, celui qui exige en ce moment de la Grèce la privatisation de la quasi-totalité de ses services publics, ou le vrai Strauss-Kahn, c'est celui qui essaie de se poser un peu en parangon de vertu socialiste. Il faut qu'il tranche, parce que là, il y a de l'hypocrisie. Et ça me gêne. Et moi, enfin, je ne vais pas m'amuser à critiquer sur une espèce de France éternelle ou ce genre de choses. Par contre, là où j'ai besoin de savoir, c'est quoi ce qu'il croit au juste? C'est quoi ses convictions? Il y a un peu de la fable de La Fontaine chez lui. Hein. À Washington, je suis libéral, voyez mes plumes, mais rue de Solferino, je suis socialiste, voyez mes poils. Va falloir choisir un moment. On verra bien dans les prochains jours. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, ministre chargé des Affaires européennes, qui était sur Sciences Po TV.